dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Jacob hésite à dénoncer Camille à la police, Barbara et Abdel passent une soirée en boîte de nuit. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jacob est envoyé en prison réveillé de son coma, Jacob parvient à retirer sa perfusion. Il tente d'attraper quelque chose au bord de son lit, mais il fait tomber une poubelle par terre. Le bruit alerte les policiers de garde, qui pénètrent immédiatement à l'intérieur de sa chambre. Une fois le week-end passé, Jacob est interrogé au commissariat par Mathieu et Ariane. Bien qu'il reste complètement muet, celle-ci avoue prendre son pied maintenant qu'elle l'a enfin arrêté. Les policiers confrontent ensuite Camille face à Jacob. Ariane lit la déposition de la jeune fille dans laquelle elle affirme avoir été manipulée par Jacob depuis le début. Néanmoins, la lieutenant la soupçonne toujours d'être sa complice. Afin de lui sauver la mise, Jacob avoue que Camille n'était au courant de rien et ne l'a aidée que sous la menace. Ainsi, Jacob est envoyé au baumettre. Camille lui fait un signe de reconnaissance. Emma ramène ensuite sa sœur chez elle. Camille s'interroge sur l'absence de Kevin pour sa sortie du coma. Abdel passe la nuit avec son inconnu ayant récupéré deux places pour le lancement d'un nouveau parfum au Massilia. Abdel demande à Barbara de l'y accompagner. Il rentre ensuite chez lui pour se préparer. Nisma est témoin de la scène. Quand il culpabilise de la laisser seule avec son frère pour sortir en boîte, Nisma le rassure. Le soir, Abdel repère sa belle inconnue dans la boîte de nuit. Il l'observe de loin, sans oser l'approcher malgré les encouragements de Barbara. Il est toujours sous le charme lorsque la femme en question s'amuse autour d'une barre de pole dance, ce qui fait rire ses amis. Après quoi, elle se rend seule au bar. Abdel saisit donc cette opportunité pour l'aborder. Il révèle qu'il l'a déjà vue dans un restaurant. Toutefois, il perd peu à peu ses penteux, Abdel quitte la boîte de nuit. Au téléphone avec Barbara, il explique à quel point il se trouve nul. La mystérieuse inconnue entend sa conversation, avant de se présenter à lui. Elle s'appelle et elle compte rentrer et lui propose de partager un taxi. Sur le trajet, Abdel et Elisa font connaissance et se séduisent mutuellement. Arrivée devant son hôtel, Elisa prend le numéro d'Abdel, puis descend du taxi. Ce dernier finit par la rejoindre dans sa chambre, où ils font l'amour. De son côté, Barbara rentre au Mistral à pied après avoir passé sa soirée en boîte de nuit. Elle croise des jeunes en train de faire du parcours. Elle s'approche d'un jeune homme qui pilote un drone, jusqu'à ce qu'il se fasse renverser par une voiture. Alors que le conducteur prend la fuite, Barbara appelle à l'aide.